Une grosse fille de 600 kg nage pour la première fois dans une piscine. L'éclaboussure est si forte qu'elle est ridiculisée par ses camarades de classe, qui lui mettent même un filet de pêche sur la tête. Face aux insultes de ses camarades, elle n'a pas eu d'autre choix que de les ignorer et de plonger dans l'eau. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait un corps sous l'eau. Lorsqu'elle est remontée à la nage, elle a découvert que ses camarades de classe avaient pris tous ses vêtements. Elle a voulu demander de l'aide à ses amis, mais ils lui ont pris son dernier vêtement. La grosse fille était si désespérée qu'elle ne pouvait que les regarder partir. Mais elle n'avait pas le courage de les poursuivre. Elle n'avait pas d'autre choix que de courir chez elle en maillot de bain. Bien qu'elle ait essayé d'éviter les piétons, elle a été repérée par une bande de voyous. Ils ont délibérément poursuivi la grosse fille et l'ont même insultée verbalement. Pour ne pas se faire reprendre, elle a pris un raccourci pour rentrer chez elle. Elle est passée devant une voiture blanche et n'a pas remarqué la fille qui en est sortie, qui était sa meilleure amie. Alors qu'elle continuait à marcher, la voiture derrière elle a soudainement démarré et s'est dirigée vers la grosse fille, se garant devant elle.